Bonjour et bienvenue au royaume de Titlubi. Je vais vous présenter le tuto de ma cheminée en carton et sa déco accessoire partie 2. Formez l'ossature en emboîtant les encoches les unes dans les autres. Montez la barre verte, enfermez l'ossature à l'intérieur, recouvrir et coller le papier déco avec du double face. Démontez les pinces de la guirlande bougie, plantez-les dans la barre à intervalles réguliers et centrés. Collez vos pommes de pin et accrochez les grelots. Formez l'ossature du sol intérieur en emboîtant les encoches les unes dans les autres. Montez le sol, enfermez l'ossature, recouvrir avec du papier crépon noir. Mettre des boules de papier noir pour les braises. Faire la devanture motif pic, plier les côtés de 10 cm et emboîter. Recouvrir les extrémités des rouleaux d'essuie-tout avec du papier crépon rose. Scotcher au bout des torsades de papier crépon beige. Placer entre elles des bouts de papier crépon rouge et orange. Pour la bûche flamme, procédez de la même façon, mais avec une fente. Dessinez la flamme, recouvrir de jaune au centre, orange et rouge en bande vers les bords. Emboîtez dans la bûche. Faire un gabarit carton des jambes du Père Noël, peindre en rouge, coller du coton partie blanche, petite boule papier crépon jaune et noir pour le reste. Repasser les bords au marqueur noir, scotcher au plafond intérieur de la cheminée. Sur un groupe Papercraft Facebook, téléchargez un renne, coller sur du carton alimentaire, le monter, peindre en brun et les cornes en noir. Tracez la bouche au marqueur noir. Dessinez un ovale blanc avec un rond noir percé d'un petit rond blanc pour les yeux. Collez du coton autour du cou. Sur du carton alimentaire, dessinez une canne à sucre au marqueur noir. Peindre en rouge et blanc, perforer dans le coude, nouer et attacher avec du fil argenté. Entourez plusieurs boucles de laine rouge pour recouvrir l'anneau en carton. Attachez à la longueur souhaitée, collez du coton autour de l'anneau et un bout en guise de pompon. Entourez de la laine autour de votre main à la taille du pompon souhaité, enlevez, attachez, coupez les extrémités et taillez. Faire 4 trous à l'arrière, mettre du double face, positionner les cercables. Enfoncez les cercables dans le conduit. Faire tenir par un objet ou une tierce personne pour pouvoir attacher. Accrochez vos décos avec du scotch entre la planche effet bois et le haut de la cheminée. Merci de m'avoir suivi. Retrouvez-moi pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube Le Royaume de Titlubi. Merci de laisser un commentaire, liker et abonnez-vous.